parce que en tant que designer, on participe aux événements pour le lancement des produits, des services, des marques. Un événement, c'est un déclencheur d'émotions, un déclencheur d'expérience, un déclencheur de sensations qu'on vient vivre sur un espace. C'est un espace multisensoriel, un espace où on va vivre une expérience, une expérience qu'on aura envie de partager. Que faisons-nous à travers notre section on travaille essentiellement la communication en espace et en volume. On travaille pour quelles marques ben Des marques commerciales, des marques institutionnelles, des marques culturelles, mais aussi des associations caritatives, humanitaires, écologiques. On travaille pour quel événement Ça peut être un événement régional, international, pour un salon, pour des expositions, pour un festival culturel, pour un événement sportif, pour un congrès. Pour un lancement de produit, alors, sous quelle forme? Eh bien, on communique à travers des packaging, des PLV, des stands pour des expositions, du retail, c'est-à-dire des architectures d'intérieur commercial, on fait des corners, des pop-up stores, des shop-in-shop. Je vais vous présenter le dernier projet qu'on a pu faire, nous, en troisième année, qui était pour la marque Citroën et la dernière petite voiture qu'ils ont sortie, qui, sorti... enfin, qui est la voiture Ami. Donc, cet espace était de 40 mètres carrés. C'est le plus grand espace qu'on a fait là depuis euh, les euh, trois années. Et ce qui était intéressant avec euh, ce projet, c'était euh, vraiment de travailler avec euh, la lumière et euh, une sorte d'interaction, d'expérience qui pouvait se passer euh, vraiment sur, euh, sur l'espace. En gros, tout ce que vous voyez ici, c'est des dalles en LED qui s'animent. En, lorsque les personnes viennent sur le stand et c'est vraiment pour montrer le côté écologique la mobilité de la voiture euh, le dynamisme et, euh, et voilà et en reprenant un peu euh, bien sûr les les couleurs de euh, la communication parce qu'il faut toujours euh, quand même le rapporter à la marque parce que nous comme on l'a déjà dit c'est vraiment communiquer sur une marque et euh, et travailler après sur l'expérience donc il y aurait aussi euh, quelque chose qui serait fait au niveau du, euh, du son toutes les demi-heures pour vraiment interpeller euh, le consommateur et qui, que cela lui donne envie de venir sur euh, l'espace. Le DSA communication de marque fait suite au DNMAD événement et se caractérise par l'élargissement des compétences du designer qui lui permettent de répondre aux enjeux du futur. Les enjeux environnementaux sont pris en compte au travers de l'éco-conception qui est appliquée dans cette section. Ils y répondent par l'élaboration de solutions créatives qui entrent dans tous les champs du design et de la communication, ce que l'on appelle design global. Cela correspond de plus en plus à l'évolution des agences, qu'elles soient de communication, de graphisme, d'événements ou de design, qui proposent à leurs clients un service créatif de plus en plus étendu sur l'ensemble des médias. Après cette formation, vous deviendrez les responsables de projets ou les directeurs artistiques de ces entreprises, de ces agences, où vous pourrez être de jeunes entrepreneurs indépendants. Alors, je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans, je suis en deuxième année de DSA à l'Ensama. En première, je suis venu à Paris pour faire les portes ouvertes de l'Ensama. Et ce qui m'a intéressé dans la section événements, c'est qu'en en fait, on n'est pas limité à un champ du design particulier et qu'on peut faire autant de la communication que de l'espace. Que du graphisme et c'est vraiment ce qui m'a plu de, de faire du design global et de ne pas être limité à un champ du design. Alors le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut intégrer la section événements c'est d'être euh, extrêmement curieux, de s'informer sur tout ce qui se passe autour de lui parce que le but de notre métier c'est de proposer des, des innovations futures et d'être en prospection sur le monde de demain. On pourrait penser que... Événement peut se confondre avec événementiel et donc on fait uniquement de l'organisation d'événements et en fait pas du tout, on vient bien plus en amont donc c'est vraiment un travail de conception et de réflexion sur des, des événements et pas seulement de l'événementiel. Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Eulalie. J'ai 24 ans. Euh, J'ai fait trois ans euh, d'études à l'ENSAMA dans la section événements. Aujourd'hui, euh, ça fait quatre ans que je travaille dans une agence euh, de packaging. On s'occupe de la création et de la fabrication. En, en ce moment, on travaille sur un projet euh, euh, de création d'un coffret pour une marque de cognac. Donc on reçoit un brief du client qui va nous permettre de, de lui proposer des pistes créatives en cohérence avec sa demande. Euh, on va donc passer par plusieurs phases, donc des premières recherches, puis des 3D, des maquettes, et puis une fois que tout ça est validé avec le client, on va pouvoir en discuter et ensuite passer à la phase de production et de fabrication avec tout le suivi de projet qui vient par la suite. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est de pouvoir être créatif, dialoguer avec le client comme avec mes collègues, pouvoir voyager euh, et réaliser des projets divers et variés.